Bonsoir tout le monde, Serge Beauchemin ici pour les grandes discussions pour entrepreneurs sur aliasentrepreneur.com. Le mot entrepreneur, discussion, il y en a pas mal dans la même seconde. Écoutez, c'est un grand plaisir d'être avec vous encore ce soir, tous les mercredis soirs, 19h30 d'ailleurs, à cette chaîne. Hein, on disait sur cette chaîne avant, Master, on ne sait pas trop, à cette chaîne web. Donc sur Facebook, la page aliasentrepreneur.com, sur aliasentrepreneur.com, le site web, ou sur la page de Serge Beauchemin sur LinkedIn. Alors, bref, pas de raison de manquer ça. C'est partout en direct et c'est en rediffusion sur aliasentrepreneur.com. Tous les mercredis soirs, 19h30, c'est un rendez-vous. Avant de commencer, on prend toujours un petit peu de temps pour laisser du temps aux gens de se brancher et on en profite pour faire quelques annonces. Alors, je regarde mon téléphone, je regarde mes notes, parce que je n'ai rien oublié. D'abord, évidemment, comme à chaque semaine, on commence par vous demander d'aller faire des commentaires, des likes et des partages. Vous êtes tanné d'entendre, moi je suis tanné de le répéter, mais c'est comme ça, les médias sociaux contrôlent l'apparence, pas l'apparence, mais la visibilité et la fréquence de nos apparitions. Voyons, j'ai des manques mes mots, nos apparitions sur vos réseaux sociaux. Alors, plus vous partagez, commentez, plus vous likez, donc plus vous faites des j'aime, évidemment, cela augmente l'impact de nos publications sur les réseaux sociaux. Et du coup, vous avez plus de chances de les voir si vous les manquez, mais certainement, on a plus de chances de toucher un paquet d'entrepreneurs au Québec. C'est pour ça qu'on fait ça chez Alliance Entrepreneurs, c'est pour aider les entrepreneurs à faire passer leurs entreprises au prochain niveau. Alors, on compte sur vous et ce n'est pas à la légère. Faites ça maintenant, là. Ça prend 3-4 minutes au début où je plug toutes sortes d'affaires. Donc, je n'ai pas commencé l'entrevue. C'est le temps d'aller dire, oh my God, quelle belle soirée qui s'annonce. Jean-Pierre Ferrandez est avec Serge Beauchemin, ça va être incroyable. Alors, allez-y gaiement et généreusement, on compte sur vous. On a aussi quelque chose de le fun qui s'en vient, un lancement. Un lancement, vous avez été nombreux à participer à la soirée LTA, les trucs d'Alias au printemps passé. Une soirée incroyable, pleine d'énergie, 4 h 30 de temps, live en direct. Plus de 700 personnes étaient restées connectées en direct pendant 4 h 30 de temps. Sur 1 800 personnes qui ont visité la page dans la soirée. Imaginez, 1 800 personnes qui sont venues et 700 qui sont restées 4 h 30 de temps branchées avec nous sur Zoom pour le contenu d'LTA. Eh bien, on remet ça cet automne, en fait, le 28 octobre prochain. On organise une soirée qui s'appelle la Soirée Clé. Elle est faite en collaboration avec le Club des investisseurs immobiliers du Québec. C'est le plus grand club d'investisseurs immobiliers au Québec. Et c'est surtout aussi parce que chez les investisseurs immobiliers, c'est souvent ce sont des entrepreneurs, des gens dont l'entreprise, c'est l'investissement immobilier et peut-être aussi dans certains cas, le développement immobilier, la promotion de projets immobiliers. Bref, beaucoup d'entrepreneurs dans ce réseau-là. Et on a décidé de joindre nos forces pour faire une soirée qu'on appelait la soirée clé. Alors, encore une fois, il va y avoir une même formule, c'est-à-dire 1 h 30, à peu près 1 h 30, 2 h, où on reçoit des invités entrepreneurs, généralement assez célèbres, qui viennent nous partager leurs coups, leurs bons coups, leurs secrets, les secrets de leur succès. En fait, c'est exactement la thématique. Ils viennent nous partager les meilleurs secrets qu'ils ont pour se motiver, pour rester allumés, créatifs, pour se forcer à se mettre dans l'action. Donc, de ne pas rester juste passif ou pensif, mais surtout de passer à l'action. Alors, on leur a posé la même question. Et ils vont venir nous répondre ça dans des capsules de 10-12 minutes. Donc, paf, full impact, pas de niaisage, comme ils disent, droit au but, pas de flafla. Ils viennent nous partager quels sont leurs grands trucs à eux, leurs clés de succès, leurs clés pour rester motivés, inspirés et surtout dans l'action. Alors, ça se passe le 28 octobre prochain. Je vais dire quelques fois la date pour que vous ne l'oubliez pas. Et pour s'inscrire, vous allez sur la soiréeclé.ca, soirée, Soiree, clé, Cles au pluriel, point ca. Et vous pouvez vous inscrire sur cette page pour la soirée. Vous allez avoir plein d'autres informations, dont effectivement le profil des gens qui seront avec nous ce soir-là. Il y aura François Lambert, il y aura Ruth Vachon, présidente du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Il y aura Chantal Lacroix, animatrice, entrepreneur, auteur, écrivain, one-man show incroyable. Il y aura également Luc Poirier, qui ne connaît pas Luc Poirier comme investisseur immobilier au Québec. Il y aura également. Non, je n'ai dit pas tout. Je vous invite plutôt à aller voir la page. Ça va être assez extraordinaire, ces invités-là. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on divise ça en une vingtaine de salles virtuelles dans lesquelles vont se trouver des experts sur tous les sujets
important à maîtriser comme entrepreneur, ne serait-ce que la comptabilité, bien pas la comptabilité, mais surtout le financement, les ventes, le marketing sur Internet, le marketing des réseaux sociaux. Bref, beaucoup de sujets, beaucoup d'experts qui vont être dans cette soirée-là, répartis dans une vingtaine de chambres, de salles plutôt, et vous pourrez venir les rencontrer et poser vos questions. Ils vont vous répondre live. C'est ça leur travail pendant 2 heures de temps, c'est de répondre aux questions des invités, donc des gens qui vont assister à l'événement. C'est une occasion unique. Vous allez avoir des gens d'expérience disponibles pour vous et vous allez pouvoir poser vos questions et surtout entendre toutes les questions des autres dans lesquelles vous allez certainement trouver aussi des réponses intéressantes. Bref, toute une soirée, c'est super dynamique, c'est extrêmement concret. Il n'y a pas de plat-plat, pas de théorie et il y a rien, et personne n'a rien à vous vendre dans cette soirée-là. Tout ce qu'on fait, on leur dit, on le dit aux invités qui viennent se joindre à nous, aux experts qu'on a invités. C'est une soirée pour aider les entrepreneurs, pour leur donner des clés concrètes pour ouvrir les portes du succès. Alors, c'est un rendez-vous le 28 octobre prochain. Pour vous inscrire, c'est contribution volontaire, pareil comme la soirée LTA. Donc, si vous n'avez pas les moyens, ça peut être gratuit. Si vous pouvez contribuer, on va vous inviter à contribuer un montant de 49 $. Ça aide à permettre le financement de cette soirée-là. Et il y aura également d'autres forfaits, des forfaits VIP là, à 400 $ pour passer du temps en petit groupe avec le président du Club des investisseurs immobiliers du Québec et moi-même. Et là, on pourrait échanger one-on-one dans des petits groupes pendant 2 heures de temps. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer le 28 octobre prochain. Et pour s'inscrire, on va sur soireeclesclees.ca. Faites ça maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que vous allez l'oublier plus tard. Et pendant que vous allez faire ça, ou vous allez peut-être juste marquer l'adresse quelque part pour ne pas l'oublier, moi, je vais en profiter pour remercier nos commanditaires, les commanditaires de chez Alias Entrepreneur, donc évidemment la Banque Nationale. J'espère que vous savez que la banque est avec nous depuis le début. On a également Agendrix, Planet Hoster, on a Réseau Mentora, nouveau commanditaire chez Alias, et également InfoBref. Alors, un gros merci à ces commanditaires qui rendent nos soirées possibles. Sans leur apport, sans leur contribution, toute cette belle histoire d'Alias ne pourrait exister. Alors, si vous pouvez continuer à consommer des produits, du contenu de qualité gratuitement sur Alias Entrepreneur, il faut encourager nos commanditaires. Alors, je pense avoir fait le tour. Ben oui. Alors, encore une fois, partage, like, commentez tout de suite et soireeclesclees.ca. Mettez ça de côté. Allez vous inscrire après le show. Ça va être une super soirée. Sans plus tarder, je vous présente mon invité de ce soir. Là, je suis pas... Comment je pourrais dire ça? J'ai la misère à contenir ma joie parce que c'est un monsieur que je respecte beaucoup. C'est un monsieur dont j'ai suivi la carrière à distance depuis de nombreuses années. Puis, je l'ai entendu dans un podcast, celui de J7. Et quand j'ai entendu son histoire, je disais, oh my God, j'aimerais ça l'interviewer un jour. J'aimerais ça qu'il vienne me raconter son histoire, ne serait-ce que pour échanger avec un autre passionné comme moi, un autre tripeux comme moi. Alors, je suis vraiment content de l'avoir avec nous ce soir. Son nom, c'est Jean-Pierre Ferrandez. Il est, écoutez, vous le connaissez certains, il est le fondateur, cofondateur, en fait, de la marque Lolé et de la marque Paradox, alors qu'il travaillait chez Orage. Je pense que ça s'est fait en 1994 ou dans ces eaux-là. Et vous connaissez ces deux marques-là, ont eu tout un succès sur la planète. C'est un homme qui a travaillé très longuement dans le branding de vêtements et il a récemment créé, il y a 8 ans, je crois, une marque qui s'appelle Indieva. Il va nous en parler, une marque de manteaux pour femmes, ou du moins il présente sa première collection de manteaux pour femmes prochainement. Il va nous parler de ça ce soir. Il va nous parler de comment il a parti sa business, comment il a parti comment il a développé son cœur entrepreneurial. Tout ça dans la prochaine heure, dans les prochaines 50 minutes ensemble. Alors, sans plus tarder, j'ai tout dit ça par cœur. Hein. J'avais une biographie à vous lire. Je ne la lirai pas. J'ai raconté ça avec ce que je me rappelle. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est un homme de cœur, c'est un homme passionné et c'est un homme vrai. Alors, accueillez avec moi Jean-Pierre Ferrandez. Salut Jean-Pierre. Salut Serge, merci beaucoup pour la super introduction. C'est très gentil. Je pourrais être tenté de dire la même chose de toi. Là. Ben, écoute, j'aurais aimé ça avoir autant d'actifs internationaux à mon crédit, mais je te dirais que je prends le compliment, c'est toujours bien gentil et apprécié quand les gens reconnaissent ma propre contribution à l'économie du Québec. Mais écoute, Jean-Pierre, toute une histoire que la tienne. Et d'abord, j'aimerais ça qu'on recule au petit Jean-Pierre, au Jean-Pierre du début. Aussi loin que tu veux reculer, si tu veux reculer à ta petite enfance, si tu veux arrêter ça à l'adolescence ou à l'entrée au cégep. Mais bref, j'aimerais ça savoir comment ça se passait dans ta vie au quotidien là, quand tu étais plus jeune, avant de commencer cette carrière en entrepreneuriat.
Mais en fait, la carrière en entrepreneuriat, j'ai commencé très tôt parce que quand j'étais à l'université, on a ouvert un restaurant avec mes trois meilleurs amis avec qui j'ai donc dîné aujourd'hui. Un restaurant Ah qui n'a pas oui. été couronné de succès, mais on est tous en affaires depuis ce temps-là. Mais quand j'étais petit, j'étais vraiment intéressé par le vêtement. Le quartier Chabanel, je le connaissais. Ma mère me raconte que j'avais une voisine, elle avait des nouveaux souliers, puis je disais, ah, sont beaux vos nouveaux souliers, puis j'avais 5 ans, tu sais. Fait que j'ai toujours été attiré par l'industrie du vêtement. Le côté entrepreneur, ça m'a toujours passionné, alors que il y avait personne chez nous qui était en entrepreneuriat. J'ai toujours vu ça comme un grand terrain de jeu où on peut laisser sa marque, on peut avancer, on peut se comparer, on peut rêver, organiser, penser des stratégies, puis les réaliser après, tu sais. Fait que moi, c'est dans moi, puis je suis chanceux. Parce que je lisais dernièrement le livre de Phil Knight, puis il disait « Wait for your calling ». Attendez d'être appelé dans quelque chose. Puis il y en a qui ont, ça leur a pris beaucoup de temps avant de savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Moi, je l'ai su très jeune, tu sais. Puis quand à l'université, Evelyne Tremp, la fondatrice des vêtements Orage, avait fait les ensembles de ski pour l'équipe de ski. Moi, j'étais sur l'équipe de ski. Puis je disais « Oh mon Dieu, je pourrais vous vendre ça, moi, tu sais. » Puis je le savais que je voulais faire ça. Fait que le côté entrepreneur, le côté vêtements, ça m'a toujours habité. C'est une grande chance dans ma vie d'avoir su dès le début que j'avais envie d'évoluer dans un domaine, puis d'évoluer pendant aussi longtemps dans ce domaine-là, plus de 30 ans maintenant. Fait que, tu Ouais, sais, d'avoir pu évoluer, de savoir que oui. c'est dans ça que tu voulais travailler, c'est une chose, mais d'avoir pu y faire et consacrer l'entièreté de ta vie professionnelle ou à peu près, ça, c'est un beau privilège. Tu as C'est un mentionné super privilège. que tu as rencontré Evelyne alors que tu étais skieur, que tu faisais du ski. Raconte-nous un Oui, peu le début c'est de ça. cette C'est union, de ce oui. mariage âge. Mais tu sais, puis juste, je veux juste reculer un petit peu. À un moment donné, j'avais comme analysé. Moi, je voulais être dans la vente, j'étais dans le développement des affaires. Puis là, j'aimais le vêtement, le sport. Fait que j'ai dit vêtements sport, c'est ce que je vais faire. Il y avait un gars que j'avais été mis en contact, c'est le représentant des Ski Fisher. Puis je dis, je pourrais être représentant technique pour toi. Puis je travaillais bénévolement dans les magasins, etc. Fait que quand Evelyne a fait les ensembles de Ski Orage, qui était sa première collection, là, elle a fait peut-être 40, 50 ensembles. Moi, j'en avais un, puis je l'aimais beaucoup. Puis là, je disais, mais moi, j'ai des contacts dans le sport, là. J'étais représentant technique pour Fisher. Je connaissais à peu près 8 magasins. Fait que j'ai dit, j'ai des Attends. contacts. Moi, je pourrais te vendre Attends, ça. attends. Là, toi, tu connaissais 8 magasins parce que tu étais représentant Fisher. Puis tu étais allé voir et dire, moi, j'ai des contacts dans le domaine, je peux t'aider. Mais c'était une amie aussi, tu sais. Puis, OK. mais tu sais, moi, je travaillais, moi, j'étais sub-rep, là, tech rep, pas payé, donne une paire de skis, puis tu vas dans les magasins, puis tu parles avec les employés. Ça, c'est l'ancêtre des influenceurs, ça, hein? Pas payé, on te Exact. Eh donne des oui, c'est cadeaux, tu vends du exactement produit, là. ça. Ouais, tout à fait, oui. Puis, ouais, on avait bien du plaisir à faire ça. Fait que là, j'ai dit, ben là, moi, tu le sais, c'est ce que je voulais faire. Puis, ben là, ben, les 2 années suivantes, ben, ça a été le tour du Québec, porte à porte. Puis, on avait fait, Evelyne, elle avait fait des manteaux de ski, puis elle avait fait aussi des pantalons avec des empiècements qui relaient sur les genoux et les fesses. Pantalons à patch. Puis, une petite anecdote qui est très drôle. J'en plaçais en vente garantie dans les magasins. Puis, à un moment donné, j'arrive à Trois-Rivières, au André Lalonde à Trois-Rivières, puis je savais, j'avais ma liste. J'en avais placé 12 dans ce magasin-là. Fait qu'avant de parler à l'acheteuse, pour pas la trouver dans un mauvais mood ou quoi que ce soit, je vais compter les pantalons. Fait que sur le rack, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais. Bon, je vais venir la revoir une autre fois. Écoute, Serge, j'embarque dans ma voiture, je la démarre, je regarde dans la vitrine, il y avait le 12e pantalon qui était là. Elle n'a pas vendu un, mais c'est vrai que ça commence comme ça, puis petit à petit, ben là, ça avance, ça évolue. Là, justement, ça c'est quand même fabuleux parce que tu racontes là, tu sais, Orage, on connaît la marque Orage au Québec, puis évidemment, ça a eu un beau succès. Mais ce n'est pas été instantané, c'est ça que j'entends. Quand tu as commencé à vendre ces premières collections-là à gauche par à droite, tu te ramasses dans des chaînes de magasins comme André Lalonde Sport. Il y en a 12 encore sur les tablettes, sur les crochets. Comment tu fais pour convaincre les gens finalement de suivre la marque et de réussir à faire le succès que ça a connu? Ben, écoute, tu sais, ça prend de l'exposure, ça prend de la présence en magasin, ça prend à un moment donné quelqu'un qui embarque. Puis quand ton produit est assez différent, il est typé, tu sais, si tout le monde te dit « Ah, je trouve ça beau », tu n'auras pas de succès. Il faut que quelqu'un dise « Ah, oh, mon Dieu, c'est quoi ça? C'est bien, c'est pas beau. » Donc, quelqu'un ailleurs va vraiment aimer ça. Tu sais, C'est intéressant ce que les... tu dis. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, quand tu vends du vêtement ou quand tu vends des accessoires de mode,
tu vends l'unicité du produit, le nouveau look, la nouvelle image, la nouvelle patente, parce que les gens ne veulent pas porter la même chemise bleu ciel toute leur vie. Fait qu'ils veulent cette nouvelle chemise avec un petit collet à l'intérieur qui Exactement. Est un motif différent là. Bref, c'est toutes ces petites innovations-là dans le look qui font que le produit se démarque, effectivement. Absolument, que c'est reconnaissable aussi. On peut reconnaître et associer la marque. Puis éventuellement, ça démarre quelque part. T'sais. Puis nous, on était chanceux dans le coin de Chicoutimi. Il y a une école qui avait accepté que les enfants, les jeunes pouvaient porter ce pantalon-là au lieu du pantalon gris ou quoi que ce soit. Puis là, ça a parti là-bas. Puis écoute, ça a été incroyable. C'était une courbe ascendante très rapide. Puis en même temps, maintenant, à l'époque, c'était plus, tu le vis, mais maintenant, on est très conscient que quand tu lances un produit, il faut que tu t'attaques aux innovateurs. Après ça, bon, mais il va y avoir les early adopters. On connaît ce cycle-là, la early majority et late majority. Puis il faut toujours que tu aies quelque chose dans le pipeline des innovateurs, tu sais, qui vont nourrir. Fait que à ce moment-là, tu n'as pas beaucoup de ventes, mais si c'est les bonnes personnes qui le portent au bon endroit, bien, tu vas avoir la crédibilité. Puis après, quand ça va aller dans la masse, tu as des grosses ventes. Mais il faut que tu t'assures de revoir quelque chose qui va retourner au début du cycle. Fait que ça, maintenant, on le décortique. Ces connaissances-là, tu ne les avais pas au départ. Alors, comment tu as fait? Là? Parce que moi, je m'intéresse au genuine Jean-Pierre, là, l'original, celui qui était comme un peu intuitif, parce que ça fait partie un peu de ton succès, là, de ton histoire. T'es à bonne place au bon moment, frappé aux bonnes portes. Bref, you made it happen. Mais il y a une part d'intuition là-dedans. Là. Tu n'as pas été école en formation de vente d'actifs de sport ou de vêtements de sport. Là. Non, c'est ça. Puis en administration, économie, mais en Europe, il y a cette formation-là en France, la vente d'articles de sport. Puis ils sont très bons, mais c'est ça. Ce que tu dis, pour moi, c'est apprendre, puis apprendre tranquillement, mais mettre en pratique. Fait que s'il y a une chose que quelqu'un nous écoute ce soir, un jeune entrepreneur, puis il y a une chose qu'il entend, qu'il touche, puis qu'il dit « Ah, ça, c'est intéressant », bien, prends-en pas trois, prends-en une, mais mets-la en pratique. Tu sais, il faut que tu le mettes en pratique. Fait que les cycles de vente, moi, j'avais lu à un moment donné un livre par hasard de 22 Immutable Laws of Branding. Incroyable. Jack Trout, ouais. Al Rees. Oui, exactement. Puis écoute, je m'en rappelle, je l'ai lu dans les années 90. Narrow down the category. Réduis la catégorie, puis domine-la. T'sais? Fait que, bon, ça pourrait être quelque chose de base, puis on le réduit pour aller plus pointu. Fait que ça, j'ai appris ça, puis je l'ai mis en pratique à partir de ce moment-là, toute ma carrière. Puis ça m'a toujours aidé. Mais le cycle de. C'est un excellent truc, déjà, que je partage d'ailleurs avec toi, parce que j'ai fait la même chose. Moi aussi, quand je suis parti en affaires, je ne connaissais pas grand-chose dans mon domaine. Puis je me suis mis à lire. J'ai dit, il me semble que à l'école, c'est ce qu'on fait, lire. Alors, je vais lire. Alors, j'ai acheté un livre, puis un deuxième, puis un troisième. Puis la même pratique, tu sais, j'essaie de mettre quelque chose en concret que j'avais pogné dans mon bouquin, puis de le mettre dans ma business, puis de l'essayer, cette affaire-là. Puis évidemment, il y a des trucs qui marchaient moins bien, mais ceux qui marchaient, bien, je les conservais. Et du coup, bien, ça augmente le capital de compétences et de connaissances. Et un jour, il y a quelqu'un qui dit « T'es chanceux, toi, t'as eu beaucoup de succès en affaires. » Puis tu dis « Ouais, mais j'ai aussi une part d'un travail là-dedans. » Oui, c'est la chance, on se la fait. Hein? Puis c'est surtout quand on n'a pas de chance, puis quand on a des années plus difficiles, puis on passe à travers, puis on continue à avancer, bien, à un moment donné, le soleil va se lever, puis on va l'avoir, la chance. Ouais, c'est d'être capable de traverser les périodes où il n'y a pas de chance. C'est ça le défi, là, tu sais. C'est vrai, c'est tout à fait ça, de traverser les périodes où il n'y en a pas, puis être encore là et avoir la résilience, puis la détermination pour continuer. Jean-Pierre, donc, tu es chez Orage, ça commence à marcher, Chicoutimi ont adopté les pantalons à patch, la patente commence à décoller. Comment décolle ta carrière aussi au sein d'Orage? Là? Parce que je sais que tu te rapproches aussi des fondateurs. Là. Oui, bien, moi, je suis très intéressé, tu sais, par tout le cycle de vente, le contact avec l'acheteur, le consommateur final, puis je suis toujours en train de me réinventer, de pousser un peu plus loin, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Fait que je faisais même des petits sondages là, au dactylo dans le temps presque, là, puis dans les magasins, puis je posais des questions. Comment est-ce que vous pouvez répondre entre les saisons? Tu n'as pas de raison d'aller voir ton détaillant, mais j'allais le voir pour un sondage. T'sais. Fait que, à un moment donné, j'avais beaucoup d'informations, puis cette information-là, je la passais. Puis là, une compagnie qui est en croissance, ils ont besoin d'aide à tous les niveaux. Puis à un moment donné, j'avais 99 % des ventes dans mon territoire. Ah ben fait que là, ils ont dit, bon, ben là, peux-tu t'occuper des autres territoires? J'ai dit, OK, j'avais un super contrat d'agent. J'ai échangé ça contre des actions. Fait que je suis devenu actionnaire de l'entreprise. Puis, tu sais, puis Serge, c'est ce que tu fais, parce que tu parles d'entrepreneuriat. Puis quand ça t'habite, l'entrepreneuriat, là,
Puis c'est ça que je pense qu'il faut qu'on parle à tout le monde. Il faut le laisser vivre, il faut le laisser avancer. Tu sais, c'est une idée que tu as, un projet, comme je disais tantôt, puis on avance, on explore, on recommence, on se trompe, on se réajuste. Puis c'est ça qui est le fun. Fait que moi, j'ai fait ça tout le temps, tu sais. C'était quand même pris un risque. Ce que j'aime, c'est que tu as pris un risque. Tu avais quand même un contrat d'agent. Tu avais quand même quelque chose qui était très lucratif. Tu as dit, moi, je vais prendre ça. Je vais switcher ça en action dans la compagnie. Je vais devenir partner avec vous autres dans cette affaire-là pour le reste de l'aventure. C'est quand même, un saut audacieux. Tu as quel âge à peu près dans ce temps-là, Jean-Pierre? 26 ans. Quand même. 26 ans, j'ai coupé mon salaire en deux. Puis, c'était gros, là, parce que tu commences, tu deviens... tu travailles à commission entre 5 et 8 % tu es rendu avec 5 millions de ventes dans ton territoire. Fait que le calcul est facile. T'sais. Ça commence à être de l'argent, ça. Oui, c'est ça. Puis là, ben là, tu te dis non, mais moi, je pense long terme. Puis surtout, j'ai envie de construire quelque chose. T'sais, j'ai envie de participer à construire ça. C'est passionnant. Puis, t'sais, dans le temps, le restant de Rock, le restant du Canada, c'était un peu intimidant. On sortait des années Parizeau, même, il était encore premier ministre. Puis, tu dis, je vais aller le vendre à Toronto, je vais aller le vendre à Vancouver. Puis, tu sais, la grosse porte fermée devant toi, là, ben, tu dis, je vais aller donner un coup de pied dedans. puis, je vais y aller, puis je vais réussir, tu sais. Fait que, oui, j'ai pris des risques. Les risques m'ont toujours souri. Puis, à un moment donné, il y a toujours un moment donné où tu dis, est-ce que mon risque est payant? Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Mais je pense que ce qu'il faut se dire, c'est, est-ce que j'ai du plaisir à le faire? Oui, c'est ça. Parce que le payant, ce n'est pas juste les signes de dollars. Là. C'est l'ensemble de l'équation. C'est l'ensemble du retour sur l'investissement. Tu n'as pas juste investi de l'argent. Tu as investi ton temps, tu as investi ton énergie, tes compétences, ton savoir, ton cœur, ta passion. C'est tout ça qui est dans la balance de l'investissement. Alors, le retour, ça ne peut pas être que des dollars. Ça doit aussi être le reste. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai donné? Comment j'ai pu exprimer, qu'est-ce que j'ai pu vivre, ça fait partie de ce que j'appelle le fair calcul, le calcul absolument juste et honnête du retour sur investissement. Absolument. Puis, tu sais, puis si je vais rapidement dans le futur, puis je reviens après à l'époque qu'on discutait, en 2008, on a vendu l'entreprise, on était rendu à 80 millions de chiffre d'affaires. Quand même. Là, tu atteins tes objectifs économiques. Là, tu dis, bien, mon rêve, moi, c'est de faire du char sport sur une piste de course. J'en fais. Je suis tout seul dans mon char. Ben là, je ne parle pas bien, je suis tout seul dans mon char, mais c'est ça. Puis, tu sais, tu te dis, bon, ben, OK, ah, c'est ça. C'est toute ma vie, c'est ça que j'ai ambitionné avoir, c'est ça que j'ai ambitionné faire. Bien, là, tu te dis, mon Dieu, si je l'avais su, j'ai eu bien plus de fun à le faire qu'arriver au résultat. Ben c'était beaucoup plus passionnant travailler en groupe, en équipe, attaquer des projets, se tromper, recommencer. Puis, si tu sais ça, fait que là, donc, là, je recule au début de ma carrière, puis c'est ce que je vis aujourd'hui. Quand tu sais ça, tu es en mesure vraiment de profiter de chaque journée, puis d'être calme, de faire avancer le projet, puis de savoir que de toute façon, ça va arriver. Tu vas grandir. C'est le fun. C'est très, très le fun que tu parles de ça, Jean-Pierre, parce que tu sais, souvent, on parle d'entrepreneuriat, puis on raconte tu sais, que l'ultime but, c'est de vendre la société ou un jour passer à la caisse. Puis effectivement, on ne parle pas assez du voyage, tu sais, on parle surtout de la destination, ou du moins, on valorise beaucoup la destination. Puis, tu entends parler maintenant là, de l'importance que tu accordes au voyage, parce que la destination, ultimement, en fin de compte, c'est rien d'extraordinairement assouvissant en termes de satisfaction et de bonheur. Ce qui rend l'homme et la femme heureux dans la vie, c'est les possibilités de s'accomplir, c'est les relations avec les autres, c'est l'impact que tu peux faire chez les autres, c'est l'impact que tu peux faire dans ta société, la différence autour. C'est ça qui donne un sens si captivant à l'entrepreneuriat. Évidemment, la récompense finale en monétaire, là, est bien le fun aussi de la dénigrer. Oui, on est tout à fait d'accord. Puis Serge, c'est ce que tu fais en partageant ton savoir, puis en organisant des rencontres. C'est exactement ce que tu décris aussi. Mais moi, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir dans ma carrière. Puis si j'avais su que cette journée-là était vraiment, en fait, la destination, j'en aurais eu encore plus. Fait que c'est ça mon message à tout le monde. Ouais, ouais. Puis le mot que je vais utiliser est peut-être un peu triste, mais c'est un peu un réflexe de parvenu de dire, je veux monter une business puis je vais la vendre. Les business, c'est il y a une vie rattachée à ça. Il y a des gens qui travaillent. Vendre une entreprise, ça la secoue. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la vendre. Ce n'est pas ça que je dis. Mais il ne faut pas que ça soit un but ultime. Des fois, ça va
restructurer l'entreprise. Des fois, ça va lui permettre d'aller à un autre niveau, puis il faut penser comme ça. Oh, ouais, si c'est juste économique, et je suis presque sûr que dans plusieurs cas, à part où, quand les gens sont épuisés, les gens le regrettent un peu. S'ils disent, ouais, puis honnêtement, Jean-Pierre, j'ai rencontré beaucoup, grâce à Alias, entre autres, mais beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu beaucoup de succès, puis ils disent tout à peu près la même chose. Tu sais, le but, c'est pas de vendre l'entreprise. Le but, c'est de la bâtir, c'est de la construire, c'est de faire une différence, c'est d'avoir de l'impact, c'est d'avoir de l'envergure. Et quand la conclusion, ça a été, ben, je l'ai vendue, c'est correct. Tu sais, c'est pas parce que je voulais la vendre que ça a eu du succès. Ça a eu du succès parce que je voulais faire une différence, parce que je voulais toucher les gens, je voulais les aider, je voulais faire croître l'organisation, je voulais avoir de l'envergure sur la planète. C'est ces rêves-là qui développent la business. Rarement, les gens qui ont réussi à avoir du succès avec leur business vont vous dire que l'élément motivateur de toutes ces années, c'est vendre la business un jour puis passer à la caisse. C'est ça, exactement. Puis, mais tu sais, à cette époque-là, au début, nous, on pensait ça. Mais on avait quand même bien du fun. T'sais. Mais quand finalement c'est arrivé, ça, écoute, puis moi, je me suis retrouvé, puis j'étais un gars qui est quand même travaillant puis passionné, mais j'étais en non-compete pas non-compete, excuse-moi, quand tu vends ton entreprise, le mot m'échappe, là, Ça dépend quel type de transaction que tu as eu, là. T'avais-tu un out ou t'avais-tu un... Oui, c'est ça, fait que j'avais pas le droit de travailler dans ce domaine-là, le mot... Une clause de non-compétition. Oui, c'est ça. Fait que j'étais dans un petit bureau, puis je travaillais des projets, je me faisais des projets, puis j'avais des post-it géants sur les murs, puis j'écrivais des affaires. Puis là, j'arrivais le matin, puis je recevais aucun email. Puis là, j'étais découragé, là, parce que, ben, tu sais, d'habitude, t'as trop d'emails, puis ta. Fait que là, je m'inscrivais à Banana Republic, puis tout, pour savoir des emails. Moi, je regardais ça une petite demi-heure en buvant mon café. Puis après ça, je commençais à plancher sur des idées pour le futur. Et de là est venu Indie Event, qui au départ était Indie Genome. Je veux pas... Ouais, d'ailleurs, j'aimerais ça qu'on vienne à cette aventure-là, qui est celle qui occupe tes 8 dernières années, en fait, là, parce que si je compte bien, c'est ça, ça fait 8 ans là, que tu étais là. Oui, exactement, oui. Exact. Alors, avant qu'on vienne à ces 8 dernières années-là, j'aimerais ça revenir à un petit moment critique. On a passé vite, t'as dit, je suis devenu actionnaire en tradant mon contrat. Comment ça a été cette arrivée pour toi dans l'actionnariat de Orage? Est-ce que c'était une partie de plaisir dès le départ ou il a fallu que tu prennes ta place dans le groupe d'actionnaires? Comment ça s'est passé pour toi tout ça? Nous, on avait une entente, c'est une entreprise familiale. On avait vraiment une belle entente sur qui faisait quoi, puis il y avait tellement de choses à faire. On était des gens très différents. Il y avait Éric Danjou, le conjoint d'Évelyne Trump, Alain Nollet, qui était CFO. Puis on était 4 personnes très différentes, mais on se respectait beaucoup. Okay. D'avoir des discussions lundi matin sur comment la semaine va se passer, puis d'échanger des idées, puis tout ça, c'était passionnant. Beaucoup de respect, beaucoup de c'est le fun de savoir qu'est-ce qui se passe dans la production, qu'est-ce qui se passe dans les finances, tout ça, c'est vraiment une opportunité, tu sais, on est chanceux de pouvoir avoir toute cette information-là. Fait que moi, j'ai pris ça comme un cadeau. J'étais très content. Puis en même temps, il n'y avait pas de trop gros ou de trop petits projets pour nous, tu sais. Puis moi, j'étais du côté des trop gros. moi, c'était développer l'Europe, c'était l'Asie, c'était les États-Unis. Toi, t'étais aux ventes et au développement de la marque. Oui, vente, marketing. Après, je me suis occupé de la production, j'ai ouvert le... Puis à ce moment-là, je savais qu'il y avait besoin d'aide en production. J'ai dit, ben moi, je vais vous aider. Tu sais, puis gérer la production, ouvert un bureau de production à Hong Kong. Fait que, tu sais, j'ai fait beaucoup de choses avec mon allant, là, tu sais. Puis toujours de se dire... Avec ce petit côté-là, il y a deux choses qui sont importantes pour moi, c'est d'être humble face au projet. Parce que le projet, il peut toujours tourner dans toutes sortes de directions. Puis de rattacher à ça, de rien prendre pour acquis. Fait que, tu sais, toujours d'aller au bout des choses, d'essayer de voir qu'est-ce qui peut ne pas fonctionner. T'sais. Jean-Pierre, vous êtes parti avec une marque locale québécoise, puis là, ben là, tu me parles de Hong Kong, tu me parles de la planète au complet, mais pour les gens qui nous écoutent, là, c'est un peu mystérieux. Comment on parle d'une marque qui a un succès à Chicoutimi, qui commence à se vendre un peu partout au Québec dans les magasins de sport? Comment on commence à sortir du Québec? Puis là, ça, c'est vraiment toi, là, c'est toi qui as fait ça, là. On revient au branding, on en a parlé un petit peu tantôt, puis est-ce que j'ai une recette qui peut s'appliquer à travers le monde? Puis à ce moment-là, on a amené Orage pour l'amener vers le free ski. Tu sais,
les skis avec les deux types, tu sais, puis on pouvait jouer dans les terrains de snowboard avec une paire de skis, tu sais. Fait que nous, on est allé en arrière de ce sport-là, puis, tu sais, avec les innovateurs de la marque, puis, tu sais, aujourd'hui, ben c'est, malheureusement, je fais juste une petite parenthèse, hein, c'est l'anniversaire du décès de J.P. Auclair, un des inventeurs du ski qui est mort dans une montagne de ski à tourner une vidéo, puis ça fait 7 ans aujourd'hui, en tout cas, Fait que, avec ces gars-là, ben là, on s'est dit, ben non, on a une recette maintenant qui est capable de vendre à travers le monde. Fait qu'on s'est mis en avant de cette catégorie-là, puis on a dit, bon, on va ouvrir les innovateurs, les early adopters de tous les pays qui veulent toucher à cette nouvelle tendance-là. Fait que cette recette-là, on l'avait très, très tight, puis on avait tous les produits pour ça. Puis là, ben, tu te promènes, puis tu vends ta salade. Mais des petits pantalons à patch à Chicoutimi, ben, à un moment donné, on avait deux boss voyageurs qui partaient des hôtels du centre-ville puis qui arrivaient à un entrepôt loué dans le parc industriel de Longueuil où on avait des super fashion shows puis des acheteurs, des représentants de travers le monde entier qui avaient amené chacun un acheteur, tu sais. Puis, tu sais, c'était toute une dynamique, là. On en a mis plein la vue à beaucoup de monde, des salons à Munich, etc. Puis, mais notre recette était innovante, tu sais. C'était puis tout allait ensemble. Tu sais, tu dis, nous, on va couvrir cet aspect-là de l'industrie de cette façon-là, avec le produit, le price point, etc., les livraisons, les ambassadeurs, tout le bagage marketing en arrière, les vidéos, les photos, etc. Fait que ça, on l'a fait très tôt. C'est une recette qui ressemble beaucoup à celle de Phil Knight aussi avec Nike. Là, j'ai lu ce bouquin-là cet été. Absolument. Je trouvais ça très intéressant de voir, un, le temps que ça a pris, Nike. Hein, des fois, on a l'impression que les succès, c'est overnight, là, c'est rarement overnight. J'ai travaillé pendant 15 ans, tout à coup, boum, soudainement, j'ai eu du succès. Là. Mais Phil Knight, cette recette d'endosser des athlètes ou d'endosser, dans ton cas ou dans votre cas, vous avez endossé des sponsors, donc des innovateurs qui tripaient sur une nouvelle patente et vous avez dit, ben, cette patente-là, on met notre espoir là-dessus et on a recruté un paquet d'ambassadeurs finalement qui trouvaient sur cette patente-là et vous les avez habillés, donc ils ont exposé vos marques. C'est un peu ça la recette-là. Exactement. Puis en même temps, ça te prend du respect parce que ces gens-là font vivre l'industrie. Fait qu'il faut que tu sois reconnaissant avec eux. Fait que c'est normal que tu leur donnes un contrat, tu essaies de les faire voyager, tu essaies de les faire aller dans plusieurs événements, les X Games, faire un film de ski au Japon, etc. Fait que tu collabores avec eux. Puis ça te donne un réseau international. Mais c'est intéressant aussi parce que, tu sais, tout ça, ça part au départ de très localement, très petit. Cette même recette qu'on développe, qu'on commence à élaborer, à discerner les éléments de succès dans cette recette-là. Quand on se dit, bon, on va l'essayer en Ontario, oups, ça marche encore, raffine deux, trois trucs. On va l'essayer à Vancouver, oh, là, ça marche encore, deux, trois trucs, puis boum, finalement, on l'essaie à la planète au complet. Mais c'est des petits pas qui, de l'extérieur, ont l'air d'être des coups de chance. Mais de l'intérieur, on voit bien là, qu'il y a un trial and error. Là. On essaye, on fait des erreurs, on prend une leçon, on essaye un peu plus, on vient, on fait des leçons, on retourne. C'est cet essai-erreur-là, sans arrêt finalement, qui finit par créer la tornade. Puis il faut que tu crées un momentum. T'sais, il faut que toujours que tu sois dans l'ascendant. T'sais, il faut toujours que ton histoire, elle s'envole tranquillement. Puis c'est ce qui fait à un moment donné aussi que les entreprises dans l'industrie du vêtement, ils ont du momentum, pas un label versus un autre. Il y en a une qui monte, puis il y a l'autre qui descend. Puis il n'y a jamais de neutre. Ça n'existe pas. Ah, oh, je suis content, je vends tant, je vais rester là. Non. Puis mes associés et moi, on avait le pied au plancher. On investissait, on développait des choses, des nouvelles matières, des manteaux. Corduroy qui est traité pour l'imperméabilité, puis tout. On fait un manteau avec ça, puis. Peut-être qu'on n'en vendra pas beaucoup, mais on va impressionner, puis on va faire porter ça un go X Game, puis etc. Fait que nous, on a eu beaucoup de plaisir là-dedans. Tu sais. Puis je peux comprendre que c'est une job, en plus, c'est très créatif, hein, l'industrie du vêtement. Donc, c'est des trucs qui se réinventent à toutes les saisons, à toutes les années, des fois deux fois dans la même année, des fois c'est des collections différentes dans les régions différentes aussi. Fait que c'est un milieu extrêmement stimulant, créativement parlant. Et là, il est arrivé à un moment donné où, boum, tes associés et toi, vous vous dites, hey, il faut créer une nouvelle marque, il faut faire autre chose. Et là, l'idée Lolé, l'idée paradoxe arrive. Comment ça arrive, ça, dans votre histoire? Bien, c'est arrivé la même année parce que quand on a fait le changement Orage vers le free ski, bon, mais c'était plus
plus étroit comme distribution, c'était plus en profondeur, dans plusieurs pays, etc. On avait du succès, mais on avait moins de volume. Fait que pour la croissance, on disait, on pourrait avoir plusieurs labels. Il y a beaucoup de compagnies dans l'industrie du vêtement qui ont plusieurs labels. Puis, le marché de la femme était émergent. On arrivait des vêtements unisexes, etc. Puis, on s'est dit, bon, on va faire une collection. Puis, le nom Loli, on l'avait pour d'autres choses à ce moment-là. Puis, on a fait une petite collection de manteaux. On a passé ce sample set-là à travers le Canada. Puis, on a eu vraiment des bons résultats avec notre équipe de vente Orage. Puis, de petit en petit, ça a vraiment grossi rapidement. Et de l'autre côté, moi, je m'étais fait beaucoup copier avec les... Bon, on s'était fait copier avec les pantalons à patch. À un moment donné, les pantalons carottés Orage, tout le monde en avait. Puis, nous, on le vendait 80 $ dans le temps. Puis, il y en a qui le faisaient à 40, à 35, puis etc. Puis, à un moment donné, j'étais allé dans un magasin qui nous copiait. Puis, je reviens du magasin, puis je dis à mon ancien associé, le président Éric Danjou, je dis, j'ai deux nouvelles, une bonne, une pas bonne. Fait que je dis, ce magasin-là nous copie plus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce magasin-là nous copie plus. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais j'ai toujours été très sensible à la copie, puis c'est important de se faire copier. Là, je me suis dit, imitation is the best flattery, ou comment est-ce que c'est l'imitation, c'est la plus grande des flatteries ou des. C'est ça, exactement. Puis, fait que là, je me suis dit, je vais la créer parce qu'on commençait à vendre des micro-fleeces. Les gens, ils allaient en ski, ils se mettaient un chandail en coton, col roulé blanc, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais, ben ouais. Fait que là, on a commencé à faire des sous-vêtements en micro-fleece. Fait que je dis, avant que ça aille trop vite dans le marché et qu'on se fasse copier, on va se copier nous-mêmes. Fait que j'appelle chez Costco, je prends un rendez-vous. Bonjour, Jean-Pierre Ferrandez, Orage. J'aimerais ça avoir un rendez-vous. J'ai le rendez-vous en 5 minutes. J'arrive là-bas, mais je ne veux pas leur vendre du Orage. Là, je sors de ma boîte, c'est pas du Orage. Fait que là, je dis, écoutez, vous allez tellement en vendre que vous ne voudrez même plus d'Orage parce que c'est un produit qui est exceptionnel. Mais pour 80 $ en boutique spécialisée, Costco, on est arrivé avec un produit à 22,50. Puis là, ça s'est fait rapidement aussi. Pour la marque Paradox, c'est ça. Hein? La marque Paradox, c'est ça. Puis ça a été vendu dans les Costco à travers le monde. On est monté à 1,5 million d'unités. Puis ça a mis beaucoup d'essence dans le réservoir pour les autres projets. Là, je trouve ça, c'est un coup de génie. Puis c'est pour ça que je voulais que tu en parles parce que. Je savais un peu l'histoire paradoxe, mais en fait, ce que tu dis, c'est au lieu que quelqu'un d'autre me copie ma marque phare dans le cas ici, c'est Orage, ben, je vais me copier moi-même. Je vais mettre un nouveau nom, je vais prendre un autre canal de distribution, puis je vais m'attaquer moi-même avec une marque qui copie mon modèle. T'sais. Alors, si tu veux l'original, je te le vends. Si tu veux la copie, je te le vends aussi, en fait. C'est ça le génie de l'affaire. Puis tu as raison que c'est un coup de génie, puis malheureusement, aussi rapidement, parce que ça s'est développé en 2 mois, avec autant de succès, j'ai pas réussi à en refaire un autre comme ça encore. c'est le grand mystère de l'entrepreneuriat. Ouais. Hein. Je suis sûr que tu as dû faire poser 400 000 fois dans ta vie, si c'est pas plus. C'est quoi la recette pour avoir du succès en affaires? Puis on aimerait ça pouvoir écrire la recette, la vendre donner à quelqu'un. Mais moi, je te dirais, c'est ça, détache ta chemise, roule tes manches, puis travaille, ça va fonctionner. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais des fois, il y a des gens qui ont les manches roulées, qui travaillent toute leur vie, puis qui ne connaissent pas le succès que tu as connu, ni toi, ni moi, en fait. Alors, oui, c'est vrai. Malheureusement, t'as raison, il y a du travail, mais il y a quelque chose. Moi, j'appelle ça, il y a le facteur chance. Hein. Je joue au poker. Je ne sais pas si tu joues au poker, Puis je dis souvent au poker, si tu n'as pas de bonne carte, même si tu es bien bon, même si tu sais jouer comme le meilleur joueur du monde, si tu n'as pas de bonne carte, en même temps que quelqu'un a une bonne paire ou une bonne main aussi, mais juste inférieure à la tienne, ça ne payera pas. Fait que tu peux avoir une paire d'as, si tout le monde a de la marde, excuse-moi l'expression, il n'y a pas un qui va bêter, tu vas rentrer à la maison avec ta paire d'as, puis tu vas faire un minimum de rendement ridicule. Alors, ça te prend une paire d'as en même temps que quelqu'un une paire de rois. Et là, c'est payant. Puis ça s'appelle de la chance. Oui, mais Serge, tu as raison, mais de l'autre côté, je te dirais, si j'ai la chance de montrer mon jeu à des collaborateurs, à des détaillants, puis ils disent, tu ne gagneras pas avec ce jeu-là, il faut que tu écoutes. Ben ouais. Puis là, tu sais, vous dites, ben là, il faut que je suis capable de me faire un autre jeu, de rechauffer puis d'avoir un autre jeu. Puis jusqu'à temps que les gens disent, ça, c'est une recette qui a du succès. Puis il y a beaucoup de monde qui s'avance sans écouter. Puis ils ne regardent pas parce qu'il y a les lumières qui clignotent, là, puis elle est jaune, puis elle est jaune foncé, puis à un moment donné, elle est rouge, puis on n'a pas de succès. Mais il faut aussi dire, hey, est-ce que les signes de cette première innovation-là ou ce premier jeu, cette première main-là, me laissent croire que je peux avoir du succès?
Puis souvent, l'entrepreneur, au départ, il faut qu'on soit obstiné un peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde souvent qui vont croire au projet. Ils vont trouver, hey, mon Dieu, tu as du guts, puis hey, c'est bravo, puis lâche pas, mais il ne ferait pas à ta place. À un moment donné, tu dois pivoter, puis tu dois t'ouvrir, puis te dire, écoutez, si je n'ai pas le bon jeu, je vais le réorienter. Maintenant, j'ai la machine, je sais comment le faire, etc. Je vais me réorienter, puis je vais essayer de créer un peu de chance quand même. T'sais. Moi, j'écoute beaucoup. Ben écoute, c'est une qualité que encore une fois, qu'on retrouve chez les grands leaders. Tu as certainement lu le bouquin « Build to Last » ou « Good to Great », là où on parle du paradoxe, pour utiliser le même terme, la grande confiance en soi et l'humilité. C'est souvent des qualités qu'on ne voit pas en même temps chez un individu parce que la confiance en soi, des fois, déborde, puis ça amène à l'arrogance, puis à la prétention. Mais les grands leaders sont des gens qui ont une grande confiance en leur capacité, aux capacités de l'équipe, mais une grande humilité également. Puis c'est ce que j'entends à répétition dans ton discours ce soir. Oui, puis c'est gage de succès parce que... Puis même, il faut que tu sois assez ouvert puis créer le feedback. Parce que souvent, les gens vont penser que tu es tellement confiant, tu sais tellement tu t'en vas où, tu es impressionnant parce que tu es sûr de toi puis tu as eu du succès puis ils n'oseront pas te le dire. Mais il faut que tu stimules ce message-là. Il faut que tu t'assures. Moi, j'ai j'ai le contrôle de l'entreprise, tout, mais j'ai un board, puis le board, c'est mon patron. Puis le board, il me donne du fil à retordre des fois parce que j'ai des idées, des projets, puis ils me disent tu devrais t'occuper de ça. Puis c'est des gens qui sont très connaissants. Martin Gauthier, qui a des actions dans l'entreprise. Stéphanie Noël, mon associé, qui est la designer. Puis on a d'autres personnes. Puis, tu sais, je génère ça. C'est important de générer du feedback qui va me faire réfléchir, qui va me faire reculer un peu, puis de me sortir la tête, puis voir c'est ça la vision. Là, tu sais. Puis. Le jeu, il est beaucoup là, tu sais. J'ai vu un de tes premiers podcasts, tu parlais d'une entreprise québécoise, tu parlais de Louis Garneau, tu sais, puis la majeure partie des points, tu sais, t'as 100% raison, tu sais, c'est que si quelqu'un là-bas t'avait écouté à un moment donné, ben il serait pas arrivé ce qui était arrivé, tu sais. Puis, mais toi, t'avais une vision externe, tu sais, t'as une vision qui est très organisée d'une entreprise, puis fait que si on s'entête, effectivement, on n'aura pas de chance. Non. Mais si à un moment donné, on s'ouvre, on peut la susciter. Oh ouais. Puis s'ouvrir, c'est provoquer des conversations, provoquer des confrontations d'idées. Puis s'ouvrir, c'est aussi simplement des fois regarder autour, observer ce qui se passe avec un détachement, donc pas avec un biais déjà positif ou favorable à son endroit, mais une certaine objectivité de la chose pour dire, es-tu en train de faire la bonne affaire? Es-tu vraiment à la bonne place, au bon moment, avec la bonne solution? Y a-t-il meilleure façon de faire? Y a-t-il mieux ailleurs? Bref, ce regard critique, objectif de son environnement, ça aussi, c'est une qualité des grands leaders. Oui, absolument. C'est très important. Il faut l'entretenir. Jean-Pierre, on arrive au sommet de l'histoire. Donc, Orage, une marque à succès. Lolé, une autre marque à succès. Et on a Paradox qui se vend dans un autre canal de distribution qui a énormément de succès. Boum, tout ça, on package ça, ou du moins la vie fait qu'un acheteur se présente, on vend la baraque. Qu'est-ce qui se passe avec Jean-Pierre Ferrandez? Bien, Jean-Pierre Ferrandez, il a le châssis naturel et il revient au galop. Tu sais. Il se dit, je vais faire d'autres projets, je vais faire d'autres choses. Je me dis, la production, c'est complexe, je vais être distributeur, je vais aller voir des marques en Europe. Puis j'étais, je voyageais, puis je voyais des choses. Puis je suis revenu à dire, non, moi, je pense que j'ai encore... une cartouche. Je pense que le parfait vêtement de plein air pour femmes n'est pas encore fait. Puis toutes les marques de vêtements plein air sont des marques hommes qui ont été fondées par des hommes et qui font aussi de la femme. Maintenant, on en voit plus des marques femmes dans le yoga, dans toutes sortes de catégories, etc. Tu sais, Nike, femme dans l'athlétique, tu parlais de féminin, c'est très fort. Mais Nike, c'est quand même une marque homme. Fait que moi, je me suis dit, on va faire une marque femme. Puis nous, notre objectif, c'est pas juste vendre plus ou déplacer les ventes du compétiteur. C'est réinventer la façon que la femme fait du plein air. C'est premièrement, pour lui donner le goût d'en faire, il faut qu'elle soit belle. Parce que c'est bien connu, là, tout le monde, c'est l'estime de soi, on aime ça avoir des beaux vêtements qui soient... Ouais, c'est particulièrement fort chez les femmes, tout ça. Absolument. Puis, dans des matières techniques, avec des fits, une signalisation, un labeling qui est très féminin, puis qui va permettre à la femme de profiter d'une journée plus longue en plein air, puis d'en profiter plus, tu sais.
d'avoir plus de versatilité. Etc. Mais là, je t'arrête tout de suite. Tu as dit, moi, je veux créer une marque de nouveaux vêtements sport pour femmes par des femmes. Mais à ce que je sache, tu n'as pas changé de sexe. Là. Alors, il y a quelque chose, il y a une roche dans le game plan. Ben, tu as 100% raison. j'ai un côté féminin, ça ne paraît pas, là, mais. Ma vision du vêtement peut avoir beaucoup de sensibilité. Puis au bureau, on a 90% du personnel qui sont des femmes. OK. Donc, toi, tu as décidé que l'équipe au complet, ce serait des femmes. Toi, tu es l'homme, oui, mais la baraque, ce sera une. Mais ça arrive comme ça, tu sais, c'est arrivé comme ça parce que c'est un projet femme, puis c'est des femmes qui se présentent, puis sont excellentes, puis j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec l'équipe ici, dont les premières employées, Isabelle Degg qui est encore ici, et Stéphanie, mon associée, etc. Mais aussi, même si moi je suis un homme, je donne quand même la marque est femme. Fait que c'est la marque qui va créer les vêtements, puis etc. Versus, ça peut être une femme qui est chez North Face, à la tête de North Face ou chez Arc'teryx, puis qui va faire des vêtements hommes. OK, là, je comprends. C'est une belle nuance que tu fais. C'est une belle nuance. Oui. La marque est féminine. Alors, c'est pas l'individu derrière la marque, mais vraiment la marque est féminine à la base. C'est cette marque-là qui donne naissance au produit. Absolument. Puis, elle peut aller plus en profondeur, puis elle peut être plus... tu sais, de nos jours, on voit, je ne sais pas combien de milliers de messages marketing par jour, combien il y en a qui nous touchent, tu sais. Puis si ta marque a été tirée, puis tu fais toutes sortes de choses, les gens ne comprendront pas. Il faut que tu le comprennes en 3 secondes. Tu sais. Puis c'est beaucoup plus facile de communiquer une marque excuse l'anglicisme, qui est tight, qui est bien, bien ciblée, qui est ancrée. Donc, une marque plein air femme. Puis on a enregistré le tagline « Explore in style ». La femme, elle aime le style. North Face, c'est « Never stop exploring ». Tu parlais de Nike tantôt, c'est « Just do it ». Nous, c'est « Explore in style ». Dans ma tête, à moi, là, c'est aussi fort que les deux autres. Puis les deux autres vendent plus qu'un milliard. Fait que je suis correct. Dis-moi, c'est le nom Andy Eva, parle-moi de ça. L'origine du nom, c'est quand même pas un nom commun, dans le sens qu'il y a une certaine connotation d'une langue étrangère. Parle-moi un peu de l'origine du nom. Bien, en fait, au début, c'était indigénat. Parce que indigène, c'est indigène, tu sais. Puis c'était les femmes indigènes, puis c'était les premières personnes qui ont vécu dehors. Fait que c'est les ancêtres du plein air, parce qu'ils vivaient dehors. Puis quand tu vois aussi la façon que les tribus indigènes, ça, s'habillent, c'est toujours magnifique. Fait que l'importance qu'ils mettaient aux vêtements versus le budget disponible est très grand, tu sais. Puis beaucoup de fierté, puis c'est beau. Puis très inspirant, tu sais. Mais les choses étant ce qu'elles sont, le concept d'appropriation culturelle, ce n'était pas à nous de le faire. Ça aurait été à des personnes indigènes, natives, natives, de faire une marque comme ça qui met en valeur un peu. Puis Stéphanie, qui est très forte en design, avait créé une identité qui était très moderne quand même au niveau de toute la signalisation. On appelle ça l'indie-texture, pas l'architecture indie puis texture. Fait que l'indie-texture, on est capable de reconnaître nos vêtements, puis c'est très important, 4 saisons par année dans la signature visuelle, le design. Fait que, à un moment donné, on s'est dit, c'est plus à nous, indigénat, ça ne nous appartient pas, on va le laisser aller, puis on veut quand même garder ce qu'on a créé, fait qu'on va avoir la même connotation, le même nombre de lettres ou à peu près. On a changé 2 lettres, fait qu'on est passé d'indigénat à Indie Eva. Indie, c'est indépendant, Eva, c'est femme. On n'en parle pas beaucoup, mais tu sais, Indie Eva, ça fait une évolution de indigénat, c'est reconnaissable. On a gardé toutes les mêmes couleurs corporatives. C'est cool aussi, là. Indie Eva, femme indépendante, c'est très moderne ça, comme concept. C'est très fort comme image actuellement. Là. Oui, absolument. Puis tu sais, c'est encore là, je te parle d'Exploring Style aussi. C'est du gros branding, tu sais, Indie Eva, Exploring Style. Fait que là, on l'utilise ça, on le travaille, puis on le fait beaucoup vivre, on fait pas beaucoup de communication, on le fait beaucoup vivre à travers nos produits. Nous, là, ce qu'on aime, c'est quelqu'un qui a un vêtement Indie Eva, elle l'aime puis elle veut s'en acheter un autre. Le succès, il commence là. Puis après ça, elle en parle à une copine, puis le bouche à oreille, etc. Puis là, ça grandit. Puis chez MEC, Mountain Equipment Company, maintenant, avant c'était Co-op, mais pendant la COVID, ils ont vécu une crise. Puis eux, ils disaient, les gens qui achètent du indigénat, rachètent du indigénat maintenant, du Indie Eva. Fait que vos consommatrices aiment vos produits puis ils rachètent vos produits. Fait que ça, c'est gage de succès. Fait que ce qu'on a construit, on ne le perd pas. Tu sais, des fois, tu sais, quand
tu achètes un produit, tu n'es pas très satisfait, mais quelqu'un d'autre va en acheter, il y a beaucoup de communication, etc. Mais si tu perds tes premiers clients, tu n'avanceras pas. Tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Fait que c'est la communication de ces piliers marketing-là à travers le produit se fait, puis ça nous génère beaucoup de croissance. Notre positionnement de marque était très bon, puis c'est la grande raison de notre succès. Jean-Pierre, je m'emballe parce que j'ai une autre question à te poser, puis après, il faut que j'aille aux questions du public. On a reçu des questions que j'aimerais, que je dois te poser. Mais avant d'aller aux questions du public, Indy Eva, est-ce que tu as suivi la même recette que tu avais développée chez Orage, Lolé, Paradox, c'est-à-dire commence à recruter des innovateurs, innovatrices, des gens qui sont des pionnières pour faire le saut dans des nouvelles marques? Tu as suivi le même pattern encore? Oui, puis mais très tranquillement. Moi, j'ai certaines personnes qui sont dans le plein air, là, pour en nommer une, Annie-Claude Roberge, qui est une photographe qui va souvent au Pôle Nord, etc. Puis on l'habille, puis on l'écoute, puis on écoute ses commentaires. Puis on en a plusieurs comme ça qu'on habille, puis on n'utilise pas trop. Tu sais, les ambassadeurs en ce moment, on n'utilise pas trop leur notoriété. On fait plus les écouter puis s'assurer qu'ils ont le bon vêtement. C'est quasiment des participants aux recherches et développement, là, dans le sens que absolument. Les équipes, puis tu prends le feedback pour améliorer le vêtement, sa conception, ses angles, oui. Ses formes et tout ça, pour que ce soit encore plus hot pour ces gens-là. Et un coup, c'est plus hot pour eux autres, mais ultimement, c'est plus hot pour tous ceux qui veulent leur ressembler. Oui, puis après ça, on a les influenceurs. Puis les influenceurs, eux autres, ils vont porter le vêtement, ils vont prendre des photos, ils ont beaucoup de followers, puis ça, c'est du marketing. Mais si je reviens aux ambassadeurs, que moi, je veux traiter de façon différente, tu sais, on a quand même... Quand une fille, elle dit, « Je m'en vais une semaine en Laponie, puis tu lui donnes des manteaux, il ne faut pas qu'elle ait froid, là. Elle est en Laponie. Elle adore dehors. » Une grosse responsabilité rattachée à ça. Fait qu'on fait bien ça, on est très contents. On y va une étape à la fois. Puis c'est certain que ça va prendre de plus en plus de place. J'aurais envie de te le dire, mais je vais te poser encore une autre question, même si ça va presser le reste, là, mais comment est-ce qu'on fait en 2021 pour inventer ou mettre en marché un produit qui va permettre aux femmes d'être dehors puis d'être au bien, alors que ça existe déjà des produits pour être dehors puis être au bien? Alors, ce que je veux dire, c'est où c'est que tu trouves l'innovation encore? Parce que pour moi, qui ne connais pas le domaine, de l'extérieur, je me dis, ben, il me semble, tu as juste changé la couleur, mis 2-3 patchs, changé la courbe un peu, puis boum, tu as un nouveau produit. Mais là, tu vas me dire, ben non, ça, c'est bien plus compliqué que ça. Comment tu fais pour réinventer quelque chose qui existe depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans? Oui, ben prenons le premier keyword, ça va être le style chez nous, tu sais, Explore and Style, ça fait qu'il faut que ce soit beau. Et voir les couleurs des saisons, etc. Deuxièmement, ça va être la fonctionnalité. La fonctionnalité, tu dis 20 ans, 30 ans, là. Je ne sais pas si tu te rappelles le type de manteau qu'on avait quand on était jeune. Tu vas voir des habits de skidou, là, ça va te donner une idée. On transpirait là-dedans. C'était pas tout à fait in-style. Hein? Exactement. Puis en plus, on transpirait, on était mouillé. Quand ton corps est mouillé, il se refroidit 28 fois plus vite que quand il est sec. Fait que dès que tu es mouillé, tu commences à avoir froid, le soleil se couche un peu en fin de journée. Ou l'été aussi, ton vêtement... Il diffuse pas la transpiration, puis il ne sèche pas rapidement. Tu es toujours pris avec quelque chose de mouillé. Fait que toute l'innovation sur les matières techniques, ça, c'est super important. Là, on parle aussi de développement durable. Comment je le fais, ce produit-là? Comment je vais permettre à la personne d'avoir le bon vêtement qui est développé dans des conditions exceptionnelles puis qui répondent à ses standards? Ça, c'est un autre enjeu. Et je relance des collections tout le temps. Mais les journées, si tu y penses comme il faut, puis les journées de plein air que tu fais, là, quand tu as vraiment le bon vêtement, la journée est vraiment plus agréable. Non, puis je t'écoute, puis c'est vrai, tu sais, que toutes ces innovations technologiques dans le textile, dans les matières isolantes et tout ça, bien, à chaque fois qu'il en sort une nouvelle, bien, ça donne naissance à une nouvelle application dans le vêtement, cette nouvelle matière-là. Et du coup, bien, ça fait renouveler le concept qui, année après année, peut évoluer en style, mais aussi en fonctionnalité, là. Oui, puis en poids, puis en fit aussi. Tu sais, j'ai ma manche, elle fait pas de bruit, je peux bouger l'épaule facilement, etc. Je me penche, j'ai pas la ceinture, là, on voit pas la craque de fesse. Tout ça, c'est très important. Puis c'est complexe, un vêtement intelligent à faire. Puis je parle pas qu'il y a des batteries dedans puis qu'il est rechargeable. Non, c'est ça, avec intelligence. Là. Exactement, c'est complexe. Puis moi, puis sincèrement, là, il y a encore beaucoup d'évolutions à avoir. Moi, je pense qu'on peut encore en donner plus. Tu sais, la bonne poche,
sais, tu mets ta main dans ta poche, puis tu as chaud à la main, puis tu sais, puis là aussi, avoir des aspects de réfléchissants sur ton vêtement qui ne paraissent pas une grosse bande de scotch light, mais finalement, tu marches, tu sors du bois, puis tu es sur la route, puis il y a des autos qui arrivent, puis tu n'avais pas pensé à ça parce que tu es sorti plus tard, mais tu es réfléchissant. Fait que c'est sécuritaire. Fait qu'il faut penser à tout ça. J'ai des questions du public, alors je vais t'en poser quelques-unes, même si on achève, on approche la fin, mais il faut faire ça aussi parce qu'il y a des gens qui ont pris le temps de nous les écrire. Comment gères-tu ce qui va mal ou ce qui pourrait mal aller dans ton quotidien d'entrepreneur? Comment tu gères ça, toi, les crises ou les bouts où ça ne va pas bien? Ben, comment elle va me faire avancer, cette crise-là? Comment je vais juste la vivre une fois? T'sais, on a le vieux dicton, « Fool me once, it's your fault. Fool me twice, it's mine. » Fait que moi, je vais le gérer, OK, fair enough, je reçois une claque, je veux pas que ça arrive deux fois, on est capable que ça réarrive pas. Fait que ça, c'est stimulant. Puis aussi, il y a, dans toutes les crises, quand tu prends une ou deux journées, elle est toujours moins dramatique, puis il y a toujours une solution. Fait qu'il faut prendre son temps, il faut prendre du recul, il faut se détendre, il faut se dire, OK, comment, j'ai une opportunité de devenir meilleur. C'est une opportunité, c'est le fun, quand tu y penses. Il faut juste que je règle ce problème-là. Puis je j'aime ça quand ta réponse, c'est qu'il y a beaucoup de zen, hein, de zénitude en toi. Là, c'est un challenge, mais ta première réponse, c'est comment ça peut me faire avancer. Moi, j'ai écouté un bouquin il y a bien des années, j'étais un tripeux de Anthony Robbins, puis il y avait une série qui s'appelait Power of Questions. Puis il disait que les questions déterminent ton focus. T'sais, les questions que tu te poses, ça détermine tout de suite le focus de ton attention, de ta conscience. Puis, ce que tu as répondu, c'est tellement puissant parce que c'est exactement ça. Quand ça ne va pas bien, pose-toi les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est comment je peux apprendre de ça? Comment je peux utiliser ça pour aller plus loin? Quelles sont les leçons que je peux tirer? Pas pourquoi ça m'arrive à moi? Comment ça m'arrive encore à moi? Comment ça, l'univers me cherche à se venger sur moi? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Bref, ce ne sont pas les bonnes questions. C'est des questions, mais ce ne sont pas les bonnes parce qu'elles ne te permettent pas d'évoluer vers le succès, en fait, là. Puis des fois, tu dis combien on en a vendu? On en a vendu 900. Oh, une chance. Il y a des styles qu'on fait 10 000 unités. Fait que c'est une bonne affaire. Il est arrivé sur le style de 900. On est chanceux. Fait que oui. J'aime ça. J'aime bien ça. Écoute, Frédéric pose la question. Comment on fait pour valider son idée de marché, son idée dans un nouveau marché? Comment Jean-Pierre s'y prend là, pour un nouveau vêtement, une nouvelle tuque, un nouveau manteau? Comment tu fais pour aller valider ça avant de produire ça en quantité industrielle? Bien, il y a plusieurs filtres. Puis c'est sûr, quand tu travailles à business to business puis tu vends des détaillants, il va falloir que tu leur montres la collection puis ils vont décider d'un ou l'autre. Mais tu sais, il y a les focus group, il y a les gens autour de toi, il y a l'ouverture. Puis je pense que c'est important. Là, il ne faut pas réinventer la roue du jour au lendemain. Il faut l'améliorer. Fait que c'est quoi la solution qui est sur le marché en ce moment? Puis qu'est-ce que je vais offrir à côté de ça, tu sais? Qu'est-ce que je vais faire de mieux? C'est... De mieux, mais j'ai quand même une base. Je couvre ce qui existe et je l'améliore. D'arriver avec quelque chose de complètement nouveau, c'est très louable, c'est super, c'est vraiment courageux. Par contre, ça prend de l'argent et du risque. Exactement. Ouais. Bonne réponse, j'aime ça. Mathieu pose la question, comment signer un gros client avant même d'avoir un produit? C'est sûr que tu as fait ça plus qu'une fois en plus, hein, toi? Oui, moi j'ai fait ça, mais ce client-là, ce n'est pas le produit qu'il va acheter, c'est toi. Tu sais, c'est la confiance qu'il y a en toi, la confiance de ton discours, la confiance de ton enlignement, l'appel aussi, qu'est-ce que tu vas lui offrir, comment lui va se différencier avec ton produit. Tu lui donnes une opportunité, tu sais. On a des années difficiles en sourcing en ce moment, en approvisionnement. Mais comment, moi, je vais faire apparaître mon client? Le détaillant a besoin de toi aussi. Tu n'es pas juste un vendeur, tu es un collaborateur. Fait que moi, je vais dire à mon détaillant, puis moi, là, Mountain Equipment Co-op, la première année, ils ont acheté nos produits. Puis on dit, vous nous permettez de parler à la femme. Vous nous aidez de parler à la femme. Fait que c'est un partenariat, tu sais. Pour vendre ma salade, j'y arrive assez bien pour une raison, j'y crois. Puis je suis passionné, je le comprends bien, je le sais où ça peut aller. Puis moi, je rajouterais un deuxième élément que je te reconnais facilement, c'est tu crois en ta salade, entre guillemets, mais surtout un coup que quelqu'un l'a acheté, tu fais tout pour la livrer. Tu la livres, cette salade. Oui, exactement. Et ça, Jean-Pierre, c'est une qualité que je te reconnais parce que tu sais, tu as vendu beaucoup de produits innovants
Mais si tu es encore là pour en parler aujourd'hui, c'est parce que les gens les ont rachetés, ces produits-là. Alors, donc, tu es capable de livrer la marchandise. Et ça, c'est la qualité des grands vendeurs. Exactement. Ouais. Et ça va jusqu'à la fin. Là. J'ai deux dernières questions, tiens. As-tu des mentors? Est-ce que tu as été entouré de mentors? Est-ce qu'ils ont fait partie de ton parcours au début, dans le milieu, à la fin? Est-ce qu'il y en a encore? C'est quoi ta relation avec le mentorat? Bien, c'est comme tantôt quand on parlait d'écouter la lecture, etc. C'est la même chose des mentorats, quelqu'un qui va t'expliquer quelque chose. Tu peux être d'accord, pas d'accord, ça va te faire évoluer. Moi, j'ai toujours eu des gens autour de moi qui, puis maintenant, c'est notre board. Mais si je recule, j'avais 18 ans, Larry Nardone de Sport Didaco, c'était l'importateur des skis bizarres. Maintenant, il y a les bottes Vaudet, puis ça, c'est un passionné de l'industrie. C'est le cousin d'un de mes amis. Il nous amène manger, puis il nous dit, « Les boys, en affaires, là, si vous promettez quelque chose, livrez-le. » Ça, là, j'avais 18 ans, il nous a dit ça. Mmh. C'est ça, c'est à la cage au sport, au centre-ville. Puis, je me suis toujours dit, on promet quelque chose, on va le livrer. Ils connaissent ça. Fait que, oui, le mentor est très important. J'ai eu un coach aussi, qui venait, Larry Chandler, venait de chez McDonald's. Puis, il avait même fait partie de l'équipe politique de Nixon quand il était jeune. Puis, puis c'était un gars qui était très fort. Il venait à Montréal, puis on passait un après-midi avec tous les trois mois. Puis, ça, c'est une grande chance, là, parce que lui m'avait dit à un moment donné, ton approche est sophistiquée, ça va marcher. Tu vois, ça va marcher. Elle est sophistiquée, tu l'as poussée. Fait que, oui, j'ai toujours eu des mentors. Puis quand j'en ai pas, ben, ça va être un film, ça va être une série, ça va être un podcast, ça va être un livre, ça va être un dîner. Si. Puis encore là, il faut avoir les oreilles ouvertes parce qu'il y a des gens qui ont tout eu les conseils, mais ils n'ont pas entendu et puis ils n'ont pas compris. Puis ils n'ont pas été capables de les mettre en... gens qui lisent. Ouais, il y a beaucoup de gens qui collectionnent les titres à leur crédit. Là. Hey, j'ai lu tel livre, j'en ai lu 150, j'en ai lu 175. Mais moi, je dis toujours, ça ne sert à rien d'en lire 150, 175 si tu n'appliques rien de ce que tu as appris. Là. Mets-le en action. Exact. En parlant de livres, y a-tu un, deux, trois livres que tu conseilles aux gens de lire, les must-read, là, tu sais, là, les... Ben, Serge, j'ai fait la même lecture que toi cet été, le Shoe Dog de Phil Knight. Ah, tellement un bon passionnant. Livre. Passionnant. Ah, oui. J'en ai des frissons. Puis ça, c'est le fun aussi, parce que tantôt, tu parlais des gens qui disent « Ah, le sort s'acharne contre moi. » Y'a-tu quelqu'un qui a plus de problèmes que ce gars-là? Hey, quand tu lis son histoire, tu dis « Ah, oh, bon Dieu, qu'il n'a pas eu facile. » Et pourtant, résilient, son livre. Là. Absolument, puis c'est extraordinaire. Puis lui aussi, il dit la même chose. Il retournerait dedans dans les problèmes du jour qu'il a vécu puis qu'il trouvait difficile n'importe quand parce qu'il a tellement été passionné. L'autre livre pour l'industrie du plein air, puis on parle de développement durable, c'est important, c'est « Let my people go surfing » de Yvon Chouinard. Okay. C'est le fondateur de Patagonia. Okay. Qui a quitté le Québec il y avait 5 ans, puis qui était un gars de plein air, d'escalade, etc. Puis il a commencé avec de l'équipement, puis il est allé vers le vêtement. C'est un gars qui fait tout pour bien faire les choses, pour l'environnement, qui réinvestissent, qui réfléchissent, qui ils sont vraiment, ils feront rien qui va polluer la planète, ou etc. Bien entendu, puis il va même refuser. Oh, et puis c'est une marque exceptionnelle, puis que... au-dessus d'un milliard de dollars encore, puis qu'il y a un niveau d'amour. C'est la marque aimée numéro un. Là. Tu sais, les gens sont passionnés par cette marque. Partout dans le monde. Ouais. Absolument. Puis, je ne te dirais pas que c'est les plus beaux vêtements, hein. Mais c'est une marque qui est respectée. Ouais, ben, c'est un peu comme Volvo. Ce n'était pas nécessairement la plus belle voiture, mais on aimait beaucoup l'aspect sécurité qu'elle avait avec la marque. Patagonia, j'ai l'impression qu'on aime beaucoup l'aspect fonction, performance dans la fonction de cette marque-là. J'en ai eu 5 Volvo. Écoute, j'aurais passé la soirée jaser avec toi, Jean-Pierre. Puis d'ailleurs, je vais certainement t'inviter à revenir nous voir chez Alias. Puis aussi, dans d'autres projets, tu sais peut-être que je préside AQC Capital, un fonds d'investissement en start-up innovante au Québec. Aux ambitions. Je dis toujours, on investit dans les entreprises innovantes aux ambitions démesurées. Alors, c'est fantastique, ça. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui voient la planète comme marché potentiel. Et dans ce business-là, j'ai parfois des projets d'investissement dans ton field, dans ton terroir d'expertise à toi. Et j'aimerais ça qu'on puisse en parler ensemble. Ça va faire plaisir de collaborer. Puis, tu sais, félicitations pour ce que tu fais. C'est exceptionnel. Puis, peut-être ce soir, on a inspiré des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs qu'on les a peut-être enlignés un peu. Puis, t'sais, c'est une belle communauté, puis on est chanceux d'avoir ces outils-là au Québec. Puis toi, tu es un de ceux qui fait,
qui active cette synergie-là. Fait que toutes mes félicitations, puis ça va me faire plaisir de collaborer à n'importe quoi. Ben, t'es bien gentil, Jean-Pierre, puis sache que sans les Jean-Pierre comme toi qui viennent me voir les mercredis soirs, je répéterai la même histoire. J'en ai juste une, moi. Fait que je répéterai la même affaire mercredi après mercredi. Les gens finiraient par s'ennuyer. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. C'était un beau geste de générosité, puis d'humilité, de transparence, et définitivement un discours très inspirant. En tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup. Je t'avais déjà entendu, je t'entends une deuxième fois, puis ce soir, j'ai encore appris d'autres choses, et j'ai encore reconnu la grande humilité qui t'habite. Alors, un grand honneur pour moi de t'avoir rencontré. Ouais, merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, quant à vous à la maison, j'espère que vous avez apprécié autant que moi cette entrevue ce soir. Si c'est une découverte pour vous, alors tant mieux. Vous connaissez maintenant une nouvelle personnalité du Québec qui a fait des grandes choses et qui va en faire encore, parce que vous l'avez entendu, il n'a pas fini. Il a encore envie de créer, encore envie de faire sa marque, pour ne pas faire de jeu de mots, avec sa grande compétence en branding. Écoutez, Jean-Pierre Fernandez était mon invité ce soir, mercredi prochain, même heure, 19h30, toujours sur la chaîne de votre choix, Facebook, LinkedIn ou direct sur le site web aliasentrepreneur.com. Je reçois un autre passionné, un gars que j'adore, Didier Gombert, fondateur d'une boîte qui s'appelle Objectif Lune. Et Objectif Lune, pour ceux qui connaissent Tintin, vous avez fait un lien avec le titre. Alors, il y a une relation quelque part avec Tintin, mais beaucoup plus impressionnant, ce n'est pas la relation avec Tintin, c'est le fait que cette business-là a des bureaux partout sur la planète. Cette entreprise-là, c'est une entreprise en haute technologie, développe des logiciels pour l'impression. Vous allez voir, c'est complètement flyé ce qu'il fait. Et tout ça est parti par un programmeur informatique ici à Montréal qui développait des trucs tout seul, puis d'un truc à un autre truc, lead à une autre affaire, puis boum, 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 boule de neige. Aujourd'hui, une entreprise internationale de grande taille. Didier Gombert, Objectif Lune, mercredi soir prochain, 19h30. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Encore une fois, merci d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, partagez s'il vous plaît à vos amis, commentez, faites des likes. C'est notre paye, c'est avec ça qu'on peut, on peut continuer à travailler et à créer des bons contenus pour vous. Merci encore, bonne fin de soirée et à la semaine prochaine.